ここです先生、フォーパッサージュ。本当だ。これ2020年の秋ぐらいにできたからまだ新しいのね。ほうほうほう、来たことなかった。ここに地図あるよ。ババーン、ここですね。今私たちここだから、まっすぐ、あ、正面でした。はい、いろいろあるよ、他にも。じゃあ行くか。はい。なんか食べ物屋さんにさ、特化してるみたいよ。へえー、そうなんだ。うん、だってここもワイン屋さんでしょ。あ、本当だね。お魚屋さんでしょ。うん、美味しいもの揃いなんじゃない？ああ、いい感じだね、それは。うん、マミコが、うん、マミコの魔境。うん、このまっすぐだからここかな。ほほほほ、ここでした。お、いいわね、なんかこうテラスも、テラスもあるのにさ、車が目の前通ってないっていいね。うん、あ、そうね、確かにそれ大事ね。うん、ほら見て、いっぱいランチもあるし、うん、おやつもある。おで、飲み物もある、いろいろある。じゃあ入ろっか。あ、なんか、あ、ボンジュー、ボンジューマダム、ソイエラビアンヴェニュー、ジェプーアントレーアントレー、ジュウズアンプリー、ボンジュー、ボンジュー、ボンジュー。お、素敵だね、広い。Très grand espace. Wow. Merci. Bienvenue. C'est la Merci. Première fois que vous venez. Oui, c'est la première Soyez fois. Soyez la bienvenue, madame. Merci. Ah, mais dis, vous avez beaucoup de gâteaux ici. Oui, wow, on a une très belle très sélection. Wow. Je crois que Isparan, c'est la spécialité de Pierre. C'est la saveur emblématique de Pierre Hermé. Ouais. Ouais. Biscuit macaron, crème à la rose, litchi et framboise fraîche. Ah, d'accord. C'est très très connu. C'est très populaire. Oui. Ok. Avez-vous des gâteaux de saison? Oui, absolument. Vous avez également la tarte aux pommes et lait d'amande. Mm-hmm. En ce moment, nous avons le Victoria qui est ici. Donc, Victoria, ok. Biscuit d'aquoise avec une crème à la noix de coco, de l'ananas mm-hmm. frais, de la coriandre fraîche. Oh, so. Mm-hmm. La création en nouveauté, donc le mahogany, mm-hmm. à base de caramel, litchi et mangue. Mm-hmm. Nous avons en ce moment la tarte au citron, infiniment citron oui. raisonné, en gourmandise mm-hmm. raisonnée, donc avec 30% de sucre en moins. Mm-hmm. Le Vénus, qui est un grand classique de Pierre Hermé, qui fait son retour, donc avec un biscuit avec une crème à la rose, pomme et coing. Une très belle association. Waouh, so. Voilà, on a la tarte infiniment café Yapar rouge du Brésil, donc assez puissant en café. Très très bon également. Les créations, vous avez également en nouveauté, donc le Kokoro, l'association de l'ananas, noix de coco, vanille et citron vert. Et l'Inca, donc qui est un biscuit d'aquoise avec de la, du chocolat, de la noisette et une compotée de d'avocat à la banane. C'est avocat. Très très bon. Et avocat. Voilà. Wow. Et les cinq signatures de la maison, donc le plaisir oui. sucré, chocolat au lait et praliné noisette, le carrément chocolat juste ici, donc oui, chocolat noir principalement sur différentes textures, la tarte infiniment vanille oui. avec trois vanilles différentes, Mexique, Tahiti, Madagascar, l'Ispahan qu'on ne présente plus, et le demi-feuille donc avec une pâte feuilletée inversée, donc plus croustillante, et crème pralinée qui a été créée en l'an 2000 par monsieur. Wow. Très connu également. Oui. Surtout pour les Japonais, quel est le plus populaire parmi les gâteaux de saison maintenant? Alors, les Japonais, en ce moment, ils aiment bien le Kokoro. Kokoro, ok. C'est voilà. donc beaucoup ça. Voilà, donc ça, c'est l'association Kokoro. De la vanille, oui. ananas rôti, biscuit baba, vanille pardon, et citron vert. Mmh. On a une collection de 18 macarons différents, tout au oui. long de l'année, selon les saisons. Ok. Pierre Hermé propose des créations. Vous avez deux sortes de macarons. En fait. Oui. Vous avez les signatures qui sont des associations de saveurs audacieuses oui. qui sont représentées avec des étiquettes marron. D'accord, ok. Et les infiniments qui sont des saveurs uniques qui sont sublimées en fait et qui sont représentées avec des étiquettes jaunes. Voilà. Je peux vous les présenter un par un si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Donc vous avez Merci. L'infiniment chocolat paineras du Brésil, 64% de cacao. Le vanille de Madagascar, pardon. Juste ici. L'Ispahan, donc saveur fétiche de la maison. Oui. Rose, litchi et framboise. Oui. À côté, vous avez le Mogador, association du chocolat au lait Pierre Hermé Paris et du fruit de la passion. Derrière, l'infiniment praliné pistache d'Iran. Là, nous avons juste devant vous le Felicia, donc association du citron et du praliné noisette. Caramel, caramel beurre salé.
Le velouté infiniment banane, velouté. Donc avec de la banane et du yaourt. Oui, ah, c'est chaud. L'infiniment fruit de la passion. Oui. Vous avez ici le jardin secret, une association de rose, vanille et clou de girofle. Derrière, vous avez le Vénus, donc l'association de la rose et du coin. À côté, une nouvelle création, donc le jardin en Calabre, l'association de la bergamote et du miel du maquis corse. À côté, un grand classique également, le praliné noisette du Piémont. L'infiniment fleur de basilic, une nouvelle création. Le crème brûlée, association de vanille et éclat de caramel. Le céfé, l'association du shiso et de la fraise des bois. Ça, ça plaît beaucoup aussi aux, aux clients japonais qui viennent nous voir. Oui, bien sûr, shiso, c'est... Ça plaît beaucoup, ouais. Oui. Et donc, l'infiniment noix de coco et l'infiniment mangue, la mangue Alfonso. D'accord. Et parmi les macarons tout ici, c'est quel est le plus populaire goût? Alors, les deux plus populaires sont les deux qui sont devant vous. Ce sont les deux macarons fétiches de la maison. Isparan, bien sûr, le plus connu. Rose litchi framboise. Et le Mogador, qui est l'association du chocolat au lait et du fruit de la passion. D'accord. Donc, on va importer des... Combien de macarons on va importer? Moi, je peux vous proposer, si vous le souhaitez, un coffret avec un assortiment de 18 qui vous permet d'avoir un de chaque sur l'ensemble de la collection, si vous le désirez. Ok. Ce serait pour vous ou pour offrir à quelqu'un? C'est pour nous. Donc c'est pour vous? Oui. Et vous avez des boîtes pour les... Alors, on a des coffrets qui sont représentés juste ici. Donc, vous avez 8, 4, 12, 18, 20, 24 ou plus grand, on a 40 également. D'accord, donc 18, ça sera... 18, ce sera celui-ci et ça vous permet d'avoir un macaron de chaque sur l'ensemble de la collection. D'accord. Ok, donc on va prendre cette boîte. Ce coffret-là? Je vous en mets un de chaque? Oui, merci. Alors, chocolat Paneras, le vanille de Madagascar, hop, Isparan, le Mogador, praliné pistache, caramel et mangue. Waouh, voilà. Oui, 18. Oh. C'est très joli. Voilà, avec ça, vous allez vous régaler. Oui. ケーキどうしようかね? Alors, je vous mets un petit carton avec un QR code à scanner dans, dans la boîte qui vous permettra de retrouver l'ensemble de la collection pour les macarons. Ok, d'accord. Merci. Et combien de temps on peut garder? Vous pouvez les garder 4 jours au réfrigérateur, dans la partie la plus basse du réfrigérateur, madame. D'accord, ok. Ok, voilà. Ok. 4 jours, c'est dans ce temps, on peut manger le cake. Le cake, on peut manger. Et on va... J'ai oublié de vous signifier quelque chose sur le kokoro. Oui, kokoro. Est-ce que vous étiez intéressé? Kokoro signifie en japonais cœur, âme. Voilà. Ah, ok. Dans ce cas-là, je vais prendre le kokoro. Alors, un kokoro. On va prendre combien? Trois gâteaux? Trois gâteaux? Oui. Alors, un kokoro. Et 2000 feuilles. 2000 feuilles. Un 2000 feuilles, magnifique, excellent choix. On hésite entre des Isparan et tarte infinie ou vanille. Alors, je vous dirais, prenez les deux. Non, l'Isparan est la saveur emblématique en fait, de Pierre Hermé, c'est quelque chose qu'il faut goûter. Après, la tarte vanille est excellente, si vous aimez la vanille, vous avez l'association des trois vanilles, Mexique, Tahiti, Madagascar. Donc on va prendre les deux. Alors on prend les deux. Allez, je vous en prie. Ok. Bon, on ne peut pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ici ce Alors oui, là vous avez en fait une gamme de snacking. Donc, vous avez des confitures, différentes confitures, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner, Pierre Hermé, très connu, également excellente, infiniment en noisette, des pâtes de fruits, des petites palettes de chocolat et mendiant. Et des irrésistibles qui sont des nouvelles créations dans la maison Pierre Hermé. Ah, c'est une nouvelle, ok. Voilà, ce sont des petites billes de sablé avec des recouvertes de chocolat. Oui. Donc vous avez caramel et chocolat noir. Oui. L'Isparan, bien sûr, pâte de fruits litchi rose
Voilà, et chocolat à la framboise et l'infiniment vanille qui rejoint en fait le, la même saveur que la tarte que vous avez pris tout à l'heure. Oui, d'accord. Vous avez également des thés. Ok, aussi. Voilà, okay. Donc Ispahan, toujours. L'Ispahan, vous le retrouvez dans toutes sortes de créations chez Pierre Amé, en glace, en pâte de fruits, en irrésistible, en thé. Donc on a deux sortes de sachets. Vous avez les sachets en 80 grammes qui sont en fait en vrac, qui nécessitent une petite boule à thé pour faire infuser. Ou alors en 20 petits sachets qui sont juste là, pardon, à côté, en 20 petits sachets de 2 grammes qui sont déjà pré-dosés. D'accord. Donc vous avez le Earl Grey, le Jardin de Pierre d'accord. et l'Ispahan. Au niveau des tablettes de chocolat, vous avez les chocolats noirs ici, les chocolats mendiants et les chocolats au lait. En sachant qu'on a une création dans la maison Pierre Hermé Paris qui est un chocolat blond. Un chocolat blond, ok. Donc c'est un chocolat blanc caramélisé à la fleur de sel. Ah, c'est très très bon. Et oui, ça, on est. Après, vous avez différentes sortes de chocolat noir, plus ou moins puissant. Oui. Vous avez le chocolat blond mendiant, chocolat au lait en mendiant et chocolat noir en mendiant. Le chocolat au lait Pierre Hermé Paris est une recette qui a été faite par la maison Valrhona pour Pierre Hermé. Ah, ok. Qui a la particularité d'être un chocolat au lait à 45% de cacao. Donc assez fort en cacao. Oui. Mais excellent. Vous l'avez juste ici avec une pointe de fleur de sel également. C'est très très bon. Je vais m'intéresser de blonde à la fleur. Ah oui, ça, c'est, ouais, ça c'est délicieux. Oui, c'est ça. Vous voulez prendre une tablette? Ouais, vous préférez quelle? Lequel? Personnellement. Moi, je les aime tous. Oui, bien sûr. Non, le blond à la fleur de sel est assez atypique. Je trouve que ça, voilà, ça change un petit peu des autres chocolats. Après, c'est un contraste entre le chocolat au lait et le chocolat blanc. Mm-hmm. C'est très, très bon, c'est gourmand. Mm-hmm. Le chocolat au lait est excellent. Mm-hmm. Si vous êtes amateur de chocolat noir, moi, j'adore le chocolat Belize à 64% de cacao qui a des petites notes de fruits rouges. Ah, ok. Assez léger, c'est pas trop puissant comme chocolat. Moi, j'apprécie, c'est vraiment très, très bon. Après, ça dépend de vos goûts. Mais lui, il aime beaucoup les chocolats blancs. Ah bah alors prenez le blanc, alors, c'est sûr. Mais c'est pour toi. Hein. Non, pour toi. Vous pouvez prendre une tablette chacun, comme ça vous pouvez partager. Et faire goûter. Ah, vous êtes très bon bandeur. Non, mais après, c'est ce qu'on recommande en fait à nos clients. C'est voilà, on vient chez Pierre Hermé, on se fait plaisir. Il faut aussi pouvoir goûter certains produits atypiques, entre guillemets. Celui-ci en est un, donc vous pouvez vraiment l'essayer. D'accord. Ok. Pourquoi pas. Alors, et blanc. Vous avez dit que ça, c'est ça. Et un chocolat noir Belize, d'accord. Oui. Très bien. Ok. Merci. Je vous en prie. Merci. Donc, je vais emporter des gâteaux, mais je voudrais entrer ici pour les boissons. Oui, d'accord, madame, je vous accompagne. Merci. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu les boissons de la maison Pierre Hermé? Ah, vraiment. Alors, vous avez différentes sortes de boissons. Vous avez principalement des boissons chaudes, type café, thé, chocolat chaud. Donc la particularité du café, c'est que M. Hermé travaille avec Hippolyte Courty de l'Arbre à Café, qui est un fournisseur de café excellent. Et on a trois sortes de cafés différents. Oui, ok. Nous avons le Yapar Rouge du Brésil, qui est un café pure origine Brésil. Oui. Un café intense avec une association de saveurs. Et donc vous avez. C'est un café qui convient aux boissons lactées principalement. Et le Signature, qui est un café assez rond, puissant, qui a la particularité d'avoir 20% de Robusta. D'accord. Très, très puissant. Ok. Vous avez également des thés. Oui, un thé, d'accord. On peut vous faire infuser le temps qui convient à la bonne température, selon si c'est un thé noir ou un thé vert. Et on a également du chocolat chaud, qu'on peut faire en froid, toutes sortes de déclinaisons possibles. Et vous avez des boissons alcoolisées aussi. On fait aussi des cocktails. On a beaucoup de créations qui sont faites par notre coordinateur café qui crée des cocktails selon les saisons aussi. Ah, ok, d'accord. Et principalement, nous faisons le cocktail aussi Ispahan, l'association de la rose litchi framboise. Et des boissons froides, type des lattés aussi. On fait des lattés, on a le latté Ispahan. On peut vous le faire en chaud ou en froid, ça dépend de votre choix. On a une carte assez complète. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous aimez, vous, madame? Café latté. Vous voulez un café latté? Oui. D'accord. Vous voulez quel type de café avec votre café latté? Plutôt corsé, plutôt doux? Plutôt doux pour moi. Plutôt doux? Foncé? Ouais, foncé, moi. Alors, je peux vous proposer donc un café latté avec un café intense qui ira bien, qui sera assez doux, avec des notes de noisettes. Et le café corsé, on peut mettre un café signature dont je vous parlais avec 20% de Robusta qui sera plus puissant. D'accord. Ça vous va? Oui. Je vous accompagne à la table. Merci. Allez-y, juste ici, madame. Merci. Je vous laisse vous installer. D'accord. Bye. Voilà.
Et monsieur, allez-y, je vous en prie. Quoi しようかな。あ、でもちょっとこれ飲もう。あ、かき混ぜちゃおう。あ、なんかあった。何かが乗っかってた。本当？クッキーが乗っかってた。あら。あ、本当だ。なんか優しい感じ、コーヒー。本当？普通さんの強めって言ってたよ。あ、そうね。強めって聞いた。うん、強めっていうか強いって言ってた。うん。美味しい。そんなに違うのかな。うん、ちょっとちょうだい。ちょっとまだ飲んでまだ飲んでないよ。強い？いや、もうミルクが強いからそんなにいつもエスプレッソ飲んでる身としては。うん。別にそんな、いつもエスプレッソ飲みすぎて、もうなんかコーヒーに対しての耐性がつきすぎてるのかもしれないけど。でも美味しいね。うん、美味しい美味しい。カフェラテ自体は久しぶりなんだ。どんだけそんな気持にいるんだったらさ。そうね、いつもエスプレッソだから。そう、メニューどうしようかな。なんかやっぱりね、うん、このパンペルジュがすごいいいって見たよ。へえ、うん、いろいろあるよ。ブランケット・ド・ボー・アンシエンヌとか、うん、エポール・ド・アニオとか、うん、あ、バーガーとかもあるし、いろいろあるね。うん、すごいなんかヘルシーな感じ。やっぱスチームド、季節の野菜とかある。あ、うん、ヘルシー。でもちゃんとほらクロックムッシュとかそういうクラブサンドイッチとかもある。本当だね、うん、アントレも美味しそうなんだよ。ほらウフパフェとかもあるし、このなんかサーモンも美味しそうだよね。うん、サーモンとシトラスフルーツのコンフィがついてるんだね、うん、とかそう、いろいろ美味しそうじゃない？確かに、うん、あ、excuse me? Oui madame, dites-moi. Des petites questions. Quelle est la place signature ou plus populaire? Alors, plats et entrées? Alors, au niveau des plats, oui. Vous avez différentes sortes de plats donc qui changent selon les saisons. D'accord. Tout comme les pâtisseries. Oui. Vous avez en fait les trois standards, on va dire, qui restent tout le temps à la classe. Ce sera à la table, à la carte, pardon. Ce sera le croque-monsieur, le club poulet et le club saumon. Oui. Et après, la chef travaille des produits de saison. Selon la saison en fait. Donc, vous avez aussi un plat phare de la maison, c'est le pain perdu, qui est retravaillé, qui est un plat sucré mais qui est retravaillé de façon salée. Ah d'accord. Donc aux saveurs de pain d'épices avec de la mâche et des copeaux de magret. À ce moment, vous avez la volaille fermière, avec des petits légumes, l'épaule d'agneau confite, excellente, avec une purée de panais. D'accord. La blanquette de veau traditionnelle, très très bonne. Et les noix de Saint-Jacques de Bretagne, juste poêlées avec une mousseline de butternut. Ah ok. Ça c'est très très bon. Comme entrée, avez... En entrée, vous avez différentes sortes, pareil, qui changent régulièrement en fonction des saisons. Oui. Là, en ce moment, vous avez l'œuf parfait, avec une mousseline de topinambour, des poireaux fondants aux clémentines, très léger, la salade de pommes de terre grenaille et haddock fumé, ça c'est très très bon aussi, c'est un peu plus riche, et le cœur de saumon, donc gravlax, mariné avec du sucre et du sel, c'est vraiment excellent également. Et quelques petits agrumes qui viennent de l'agrumiste qui est notre fournisseur d'agrumes avec des agrumes assez spéciaux et très parfumés. D'accord. Ok, bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Yeah, continue. 外がなんか見れて。なんかこう外なんだけど車が通ってなくていいねここね。うん、すごいこうなんかこう、なんか和やかな気持ちにならない。うん、まさにボーパッサージュじゃない？すごいね。ボーパッサージュだよね。わあ、おお、メシも食おう。イスパハン、あ、イスパハン、お昼から飲んじゃう。はい、もうやっちゃってください。やっちゃってください。スーさんは水なの？僕はもうお水が大好きなんで、はい、水で乾杯。いただきます。美味しいですけどこれ。あ、本当。うん、イスパハン。よかった、もみちゃんの嬉しそうな顔を見ると幸せになるね。うわ、うまなんかね、高級な味がする。あ、そう、うん、ローズ入ってるからさ、うんとね、シャンパン、うん、テ・イスパハン、うん、フランボワーズの果肉、うん、あとローズシロップだって。あ、c'est un cake, oui. Piment d'Espelette, oui. Et noisette de Piémont. D'accord. Bonne dégustation. Merci. Merci beaucoup. Voilà. これ何だ？分からない。頼んでないけど。まああれじゃない？なんか突き出し的な。そうだね。これ突き出し的な。あ、そうだ。突き出し的な。多分そうだ。勝手に。分からないけど。でもまだ
まだ12時ちょっと過ぎただけなのに、どんどんこうお客さんが来るのね。人気スポット、ね、人気スポットだね。この辺で働いてる方とかも来るんじゃない？そうね、うん、いただきます。美味しそうこれ。 あったかい。あ、ほんと？あったかいんだ。うん、美味しい。あ、ほんと？すごいいい顔してる、うん、美味しいものを食べるとまるくいい顔するよね。うん、キバシルソンガブラックス。おー、美しい、美しい。わー、メッシー、うん、すごい。いただきます。いただきます。わあ、美味しそうなんだけど。美味しそうだね。これめっちゃ高いよ、ちゃんと。あ、本当？よし、じゃあ食べましょう。食べましょう。はい、いただきます。美味しそう。よいしょ。お、美味しそうだよ。すごいね、うん、ちゃんとお皿が2枚出てくるところがすごいわ。うん、うん、美味しい、これ。あ、本当？うん、このフルーツとの相性が絶妙な。めっちゃ美味しい。意外と味そうでなさそうな感じではあるよね。美味しいよこれ、うん、これでもこれも一緒にいただくんじゃないの。あ、そうね、あれだ、うん、グリーミー、グリーミーをのっけて、うん、どう？このセロリがまたいいね、アクセントを出してるんですよ。あ、そう、うん、それは食べてみて、うん、うん、美味しいでしょ、うん、うん、すごいいいよ、うん、まさに、うん、セロリがいいアクセントだし、うんうん、まさに、うん、スモークサーモンってちょっとしょっぱすぎる時が多いけど、これはすごい全然絶妙だね、うん、絶妙、そうだね、絶妙だね、うん、なんか脂っこすぎもせず味もまろやかだけど、うん、ちょっと塩もちゃんと効いてて、うん、ちょうどいい感じ。めっちゃ美味しい、品がいい、うん、そうだね、気に入ったぞ、うん、はい、ありがとうございます。いや、こんな美味しい。なんかカフェはどんなもんなのかなって正直ほら、あ、そう ね思ってたけど、うん、すごい美味しいね、うん、しかもね、これ結構食べやすいのよ、うん、意外と食べづらいかなってちょっと一瞬危惧したんだけど、意外と一緒にパクって食べるのにすごく食べやすい、うん、考えられてるよね、ね、大きさが。日本からお友達とかさ、家族とか来た時にここ連れてきてあげたら喜ぶと思う。場所もいい。というかここの安全性はすごい、うん、すごい。それでさ、お買い物もさ、入り口のカルフールでさ、お土産も買えるしさ、何でも揃ってっから、ここ。カルフールもさ、なんか品揃えがこんな感じっぽいよね、うん、多分。おしゃれのカルフールだね。だってお客さんもみんななんかこうさ、うん、アッパースケールな人たちが多い。そうだね。そう思う。うん、すごくそう思う。うん、いっぱい買っちゃったね、うん、すんごいね。こんなにケーキを買ったことが いまだかつて、こんなに甘いものを一気に買ったことが人生であるでしょうか。すごい上手だと思う。上手だ、進めるの上手だ。ポップアップみたいな感じだからさ、あ、そうだねみたいな。いや、美味しいものって食べてみた方がいいですよ。そうみたいな。なんかそう言われるとあ、そうかなそうかなみたいな。チョコレートは買うつもりはなかったね。なんか、そう、ね、そうみたいな。みんなこうちゃんとシュッとしてるしね。そう、うん、やっぱね、俺は男性やっぱね、こうスーツをピッと着てね、うん、髪もピッとしてるのがね、俺はかっこいいなと思う。職業柄さ、俺さ、スーツとか着ないじゃん、うん、だからなんか、なおのことそういうことに憧れるんだよね。憧れちゃうね。そう、なんか、あのパイロットに憧れちゃうみたいなことね。違うかもしれないけど、制服に憧れちゃうんでしょ。あ、そうなんかね、制服っていうかなんかやっぱ男はピッとしてた方がいいなって思うんだよね。わー、おー、メッシー、ウィー、すごい、見て、お、ピー、エル、エルメってなっているほら。ほんとだ、うん、エイジ、じゃじゃーん、じゃじゃーんだね。めっちゃおしゃなんだけど、パンペルデュがされて素敵よね。ほんと、これさ、うん、こうやって切っていいのかな。それはセンスが問われる。あー、いっちゃう、いっちゃう、あ、いっちゃった。おー、でもなんかすごい弾んでる。豆腐みたい。すごい弾んでた今。おー、すごい。おー、おー、すごい、あ、そういう感じ、あ、そういう感じ、よいしょ。あらー、はい、ありがとう。どこの辺だ。めっちゃ美味しそう。美味しそう、美味しそうなの伝わってるよこっちに。なんかいろいろここにこれがいるのか。よいしょ、はい、ありがとう。以上、もういいかな。はい、大丈夫です。じゃあ、よいしょ、いただきます。はい、あ、ふわふわ、すごい。
どう？うん、美味しい。新しい味。どういう感じ？なんか甘いけどサレっていう。あ、甘い。あ、ちょっとだけ甘みもあるの。好きな感じ。甘じょっぱいってことですか？甘じょっぱいっていうわけじゃないの。あ、そう。甘いけどちょっと塩。さっきと同じこと。甘いけどちょっと塩なんだ。うん。すごい美味しいよこれ。僕も行ってみます、うん、でサラダも一緒に行った？うん、サラダは別で。サラダは別なんだ、うん、でもサラダも一緒に行った。美味しい、うん、めっちゃ美味しいよね。めっちゃ美味しいこれ、うん、豆腐みたい。何度も言いますが、なんかでもなんか味の方向性的に、うん、ちょっとなんかソースみたいな感じ、うん、甘さの方向性がさ、ちょっとソースっぽくない？え、なんて言ったらいいの？形容しがたいね。ソースじゃないんだけど、なんだろう。めちゃめちゃ美味しい。口の中で溶ける。うん。すごい溶ける。ほんと、このハムと、うん、コンディモンとマーシュが意外にすごい怖い。あ、そうなの、うん。結構絶妙だよ、ね。うん。このハムは、うん、塩気をプラスしてくれてんのよ。すごくいい感じの。一緒に食べると美味しいよ。めちゃめちゃ美味しいぞ、これ。これ美味しいよね。ねこれめっちゃ美味しい。なんだこれ。なんかこれ形容しがたい。どうやって説明したらいいのかわかんない。とにかく食べるしかない。そう。そうなんだよ、ね。来て食べるしかないんだけど。うん、これ日本にはないのか。これなんじゃない？なんかこのパンペルリの感じがたまらなく。ね。そうなの。なんかね、ギリギリのとこでパン、うん、の質感が一応残ってんだけど、うん、ほぼほぼ溶ける感じ。うん、柔らかいの。そう、でも完全に溶けてはいない、うん、そこがすごいなって思う。すごい、うん、絶妙。おいしい。これは多分来るわ、この辺の人、うん、確かに美味しい、うん、他のメニューも多分美味しいんじゃない、うん、すごい美味しいって言った。これも美味しいと見たから、うん、もちろんケーキが美味しいのは当たり前なんだけど、うん、なんかカフェがこんなに美味しいとは新しい発見。そう、俺も新しい、うん、別に普通に食べに来てもいいと思う、うん、なんか、うん、モダンさと、うん、トラディショナルの感じのバランスがちょうどいい、うん、モダンでもあるし、うん、トラディショナルでもあるじゃん、うん、韓国の、うん、いやー、これは他のものも食べたくなる気持ちがわかるわ。わかる。あっという間に食べちゃったね、うん、美味しすぎた、うん、本当あっという間に食べちゃったね、うん、すごい早かったね。前菜かっていうぐらい早かった。よかったよかった。このパンペルリは特に美味しかった、うん、でもどっちも美味しかったよ。どっちも美味しかった。どっちも美味しかったけど、うん、パンペルリはおおってなった。俺すぐ声のトーンで分かるよ、うん、感動度合いが。でもこれ本当美味しい。美味しかったね、うん、ごちそうさまでした。メッシ、僕メッシ、すごい大変だわ。すごいね。カード。嬉しい。僕おばあ。こんなに買っちゃった。楽しみだね。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。おいしい。うん、おいしいこれ。いただきまーす。はい。やばい。あ、先生、横から。よいしょ。難しい。うん。おいしい。ちょうだい。うん、大人の味で、すごいね、ヘーゼルナッツ感。うーん、美味しい。